Victor Troramsou, évidemment, pour démarrer ce Saoudi, c'est une entame bonne, intéressante. Comment tu juges ton jeu et comment ça s'est passé aujourd'hui? Non, forcément très très content du niveau de jeu, d'avoir remis les points sur les i au niveau du grand jeu où j'ai vraiment eu des difficultés les 2 dernières semaines. C'était vraiment pas mon habitude de voir rater, surtout des coups de fer. Autant les drives à Abu Dhabi, c'est pas évident de taper les fairways. Dubaï, on sait, ils ont rétréci les greens, c'est jamais évident de prendre les greens, mais reste un niveau dont j'étais pas du tout satisfait. Et là, voilà, très content, forcément des conditions idéales ce matin, pas de vent, mais forcément très très content, juste des strikes et de la qualité du grand jeu. Tu te retrouves dans des parties avec des joueurs et des grands noms de plus en plus, évidemment. Tu commences à t'habituer à ça, à te retrouver derrière Dustin Johnson, jouer avec Kevin Na, Martin Kamer, ancien numéro mondial, même si voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît habituellement sur le Tour européen, mais Kevin Na par exemple, ça commence à devenir une habitude pour toi ou pas du tout? Non, c'est vrai, bah, c'est toujours agréable voilà, d'avoir des belles parties entre guillemets. Après, on se concentre sur notre jeu avec JP, on essaie vraiment de faire au maximum, on essaie d'un peu faire abstraction de tout ça. J'ai justement pas envie de tomber dans le piège de recommencer à regarder les autres et plus me concentrer sur mon jeu, mais voilà, c'est toujours agréable voilà, d'avoir surtout des bons tee times, d'être souvent au milieu du draw et de jamais soit finir trop tard, soit démarrer trop tôt. C'est surtout ça qui est avantageux.